Salut YouTube, toujours sur ce week-end, 3 ans de la chaîne, et on est reparti sur Kazé, qu'on a fait il y a pas si longtemps, et donc voilà, on voit 100%, mais bah, il reste encore des succès. Et il y a un des succès qui est de faire tout un niveau sans récupérer du tout de cristal. Et on allait regarder sur internet. On me dit... Mais non, mais pourquoi je fais le jeu ici, moi? On me dit que je peux le faire... C'est pas du tout ça. Ça y est, j'ai déjà oublié le jeu. Je peux le faire avec le 2-8. A priori. Attends, mais comment on retourne... Attendez. Carte de l'île, voilà. L'île, c'est bien, alors allez-y. Hein. Merde, c'était celle de... C'était celle deuxième. En même temps, je mange YouTube, hein, vous m'en voulez pas. Petite escalope au curry, là. Donc normalement ici, je peux arriver à faire le niveau sans choper de cristaux. Ouais. Dommage. Je pense qu'il faut que j'utilise le courant ascendant pour ne pas choper les cristaux là. Vous voyez, genre comme ça. Pas être si simple hein. Finalement j'ai peut-être passé 2 heures là-dessus hein. Moi je voulais faire le speedrun du jeu mais finalement je suis con, je suis juste con. Je prends pas le temps. Oh, j'ai cru. What? Oh, comment on fait là? Bon, je vais essayer quand même d'aller plus loin histoire de voir les endroits qui peuvent poser problème. Donc là, faut juste aller tout en haut, ok. Et merde, c'est vrai que j'avais oublié. Faut bien faire gaffe à cela. Ah mais bah oui, non, ok, ça faut que je fasse gaffe aussi.
Ok. Ok. Non, bon, ça va. Franchement, ça va. J'en fous partout, j'en fous partout, j'en fous partout. Oh, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi sans foutre partout. Je suis incroyable. Incroyable. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là. Non. Ça va être chaud. Et merde. Ah oh, putain. Ou je suis trop loin, je suis pas sur la plateforme, ou je suis trop près et je touche quoi. Ça va être zi endroit compliqué quoi. En tant que ça remonte un peu. Voilà, bon. C'est ok. Ça, je pense qu'on peut prendre. Ok, ça faut que je fasse comme tout à l'heure, c'était bien. Pas mal là. Yes. Tadam, j'ai eu oups. J'ai eu oups, trop bien. Bon bah voilà, bon bah il me reste plus qu'un succès. Terminer le jeu en moins de 2 heures quoi. On va sentir ça hein. Hop. Merci Bibi. Alors pour terminer le jeu en moins de 2 heures, c'est simple. On joue sur un nouvel emplacement. Mmh.
Est-ce que je peux le faire en mode détendu, tiens? Comment ça se passe? Bah pour l'instant ça se passe bien. Est-ce que ça marche en mode détendu? Speedrunner. On peut le faire en casu. On peut le faire en casu. Trop bien. Va pas me faire chier, hein. Allez hop. Petit mode détendu. Désolé, hein, je mets pas les. Il y aura pas les cinématiques. Hein. J'ai vu qu'on pouvait changer la skin. Option. C'est peut-être un mode. C'est peut-être un mode que le mec avait. J'ai vu quelqu'un faire du speedrun. Et en fait, il avait une skin, quoi. Merde. Ouais, en plus, il y avait la flèche. Ok. En pensant à Jazz Jack... Non. Jazz Jack Rabbit. Ouais. Je crois qu'il y a un Jack. Ouais, ouais ça. J'y ai jamais joué. Je pense que si je galère pas sur les boss, honnêtement, le speedrun là il se fait. Hein. Merde! J'ai perdu plein de temps. Bah, j'ai perdu plein de vie. Ça commence. Ah ouais d'accord, ça te met vraiment des checkpoints qui existent pas quoi. Le niveau obligatoire, optionnel. Ok, le pupiou.
Bien ce petit mode casu, n'empêche. C'est bien pensé. Merde, c'est pas grave. J'ai le droit de me prendre des touches. Merde, j'ai même pas réussi à le buter. Ah, quel cake. Non! Ah merde le con! Putain j'étais à la fin! Putain je suis trop con. Je suis trop con, je perds du temps pour rien juste parce que j'ai bourré comme un âne quoi. Et merde, et merde, et merde. Putain, je perds du temps pour rien quoi, c'est un peu naze. C'était vraiment naze hein. Je pense que je suis... Ouais, 2 heures, je suis large, mais... Ok, bon, ça, j'arriverai pas à tirer, hein, ça c'est... Voilà, j'avais juste ça à faire, mais... A priori, c'était trop compliqué. Bleu 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 bleu. Oh merde, ça lui éclate juste la tête, devant la tête quoi. Bon, vas-y. Oh, ça marche, non ça n'a pas marché. C'est con, j'aurais bien pris un petit cœur en plus mais c'est pas grave. Voilà, parce que je savais qu'il y avait cet endroit là où c'était chiant. Remember. Hop là. Da-da-da-da-da. Désolé, hein, je mange. Ça commence à être froid. C'est bon quand même quand c'est froid. Ah oui. Zut,
Y'a lui qui m'embête. Ça, je l'ai tenté, mais... Franchement. Hop. Le speedrun du jeu, c'est en une heure, donc... Même si je... Je peux aller théoriquement deux fois plus lentement que les vrais speedrunners du jeu. Et ça passerait quand même, quoi. D'autant que j'ai fait les niveaux en speedrun et en time attack. C'est bien passé, donc... Je suis pas si lent que ça, quoi. Le bouton tout rond. Et... Évidemment, j'ai sélectionné le seul ennemi, vous avez fait chier quoi. Allez, voilà. Hop. Et encore un. Un de plus en moins. Boum. Allez, premier boss. J'ai le droit à deux touches. Ouah. Et en plus ça redonne des cœurs. Est-ce que la musique du jeu est assez forte? N'hésitez pas à me dire que je la remonte un peu si jamais... Si jamais on entend pas assez quoi. Pas content. Hein. Thank you.
Genre j'ai fait ça. Allez boum. Wesh casé, trop bien. Vous avez le droit à une petite cinématique, mais c'est... Je prends le temps de manger, quoi. Oui, on est content. Trop bien. Le vilain boss est vaincu. Ouais. Allez, à la suite. Allez, on s'en fout. J'aurais pu les taper, c'est pas grave. Oh, oh là, ça c'est dégueulasse. J'avais oublié ça. Wesh Kounrat. C'est vraiment à la fin, quoi. C'est vrai qu'en mode casu, bon, la mort est pas... est pas très punitif, quoi. Désolé, petit grain de maïs, un petit épi de maïs. Je vous snob. Faut bien que j'attende que ça arrive au bout, voilà. Ne pas faire comme j'ai fait à peu près 1000 fois. Vouloir aller trop vite. Mais de mourir comme un caca. Je ne l'ai que trop fait. Hop là.
Allez, un niveau de plus. Pour les gens qui n'ont pas vu le, pour les gens qui n'ont pas vu le jeu, désolé, mais en vrai, il est bien le jeu. Hein. Jouez-y. Vas-y, j'ai pas le temps. Ah merde! Je me prends quand même deux touches, quoi. Va peut-être falloir que j'évite de faire le con, alors. Ta-da-da-dum. Oui. Rage. Ça, c'est bon. C'est bon, je pouvais faire ça en fait. Je suis un peu con. Hop là! J'arrive à quasiment avoir toutes les gemmes en plus. Alors j'y vais à donf. Mais j'arrive quand même à choper les gemmes quoi. Incroyable. J'ai bien fait de prendre le casu quand même. J'ai vraiment, vraiment bien fait de prendre le casu. Et même en casu, je fais quand même de la merde. Hein. Bravo à moi. Voilà, faut tempo, c'est pour ça qu'il y en a deux ennemis ici. C'est parce que il faut tabasser les deux. Tout simplement. Oh, ces animations elles sont tellement bien quoi. Dagadagadam. Blablablablabla. Mmh.
Le piou-piou, le piou-piou. J'ai voulu aller direct, mais ça serait pas passé. Enfin, si, en me faisant toucher, quoi. On peut passer dessous comme ça ? Incroyable. Toi, si j'avais joué comme ça sur le speedrun... sur le time attack, quoi, ça aurait été trop fort. Évidemment, je dis ça, je fais une connerie juste derrière, mais... Hop là, dagadagada. Non, ça se passe plutôt bien, hein. Ah, peut-être terminé avant les 2 heures même. Hein. Ça c'était. Ça c'était très présomptueux de ma part de y aller comme ça. Mais c'est passé. Alors ça va être les niveaux les plus chiants parce qu'il y a beaucoup de vide et finalement avoir de la vie ça me sert à rien parce que. Alors, on meurt direct. Je sais pas pourquoi j'ai pas sauté là. Juste pas envie. La grosse flemme de sauter là. Pas le temps hein. Voilà. Toujours hein, ce passage qui m'emmerde à la fin. C'est fait toucher, mais c'est pas grave. Ça se trouve, je vais pouvoir balancer mon temps sur speedrun.com. Ah bah, bûcher des citrouilles, évidemment, je viens de les faire. Bah il est plus simple quand on peut récupérer des diams là, des rubis de gemmes, des trucs. Tout de suite c'est plus simple. Nice. J'ai voulu faire le con. En fait, j'ai voulu me la raconter en appuyant brièvement sur les boutons. Et en fait, bah voilà, j'ai déconné.
J'aurais pas dû faire mon malin. Je ne serais pas tombé dans le ravin. Vraiment. J'ai réussi à m'en sortir, vous voyez. Hop là. J'étais pas là au bon moment. J'ai plus de cœur là, par contre, faut que je fasse gaffe. Fais pas le con, t'es à la fin. J'ai failli faire le con. Le temps, tu peux toujours ajouter une run à speedrun.com. 5 heures de plus, oui, non, mais évidemment, mais bon. Le truc, c'est de pas avoir l'air ridicule, quoi. C'est ça aussi. Par rapport aux autres, hein, faire un speedrun en soi, c'est cool, même si vous faites 5 heures de plus que les autres. Après, si c'est un jeu qui dure 5 minutes et que vous faites 5 heures de plus, bon. Pas ouf. Ah, j'avais carrément oublié ce boss. La musique est cool. Comment ça va le boulot, Silent? Pas trop de clients. Pas trop d'embêtage. C'est chaud? Ah merde. Allez, oh là là, frame 1. Frame 1, 4 appels avant 13h, c'est beaucoup. Ah merde. Moi j'ai eu un mail ce matin, je fais oh merde, je suis dans la merde. En fait non, ça allait. Client qui me dit que son site n'est plus accessible alors que je me connecte dessus et tout me marche. C'est le bordel pour le planning de lundi. Ah. Pouet. Allez, vas-y, viens. Viens de battre. Merde. Oh merde. Oh l'erreur. Mon speedrun. Mon speedrun qui s'enfuit là. Oh j'étais en world record pace là. J'avais le record du monde à portée de main. Et voilà, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Non mais voilà, et puis du coup ça m'a trigger quoi. Malheureusement, ça m'a trigger. Adieu. Adieu le world record. Merde. Non, je l'ai eu. Arrête. Oh, quel con. Vrai speedrunner, never trigger. J'ai tellement hâte de me remettre à Deadcore. Ding ding ding. 45 minutes, on a fait les deux premiers niveaux. Enfin, les deux premiers mondes. Vous en reste deux. Non, même pas 45 minutes, parce que 45 minutes... Ouais, il y a eu le temps que je fasse le niveau sans... Le niveau sans gemme. Vous êtes sans gemme. Vraiment. Tout cela... Ah, l'Epical Rick. Non, prends. Merci.
On rappelle aux enfants de ne pas essayer de respirer sous l'eau avec une paille comme ça. Ça ne fonctionne pas. Disons le jeu, tu triches. Ah oui, du coup. Du coup, hein, j'ai dit du coup, j'ai pas dit du con. J'ai promis. Promis, j'ai dit du coup. Putain, sur... Oh merde, merde, je suis en train de perdre trop de temps là, je suis en train de perdre trop de temps. Je suis trop con. Tout ça pour arnaquer 2 secondes. Non mais arrête! Oh là là. Je suis passé à côté. Nananana. Tout. Blablabla. Allez. On reste concentré. Oh là là, je prends des risques du coup. À chaque fois, je me rappelle plus. Faut descendre. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit que celui-là, à chaque fois, je me rappelais plus, hein. Dommage, t'es à la fin. Bleu.
Pas grave. Oh oui! Oh, c'était fait exprès, vous avez vu. Hein. C'était évidemment fait exprès. Oh merde! Ça, c'était pas fait exprès. Dommage! Non! Oh, je le sais, je le sais. Putain, je l'ai vu, quoi. Je vais refaire à la même merde. Je vais faire de la merde en boucle. Je vais faire de la merde en boucle. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va bien rien. Dagadam. Ah là là, ce temps de perdu, ça se trouve, je vais perdre. Je vais peut-être perdre à 10 secondes près. Ce sera ici. Ça va être... Vous allez tous être très déçus. Vous allez être déçu, vous allez vous désabonner et plus jamais revenir. Je serai seul, triste. Toi, tu voudras plus faire la Unreal Night avec moi. Down, 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 down. Hop. Oh, bonne strat ça. Là, je découvre des nouvelles strats. Là. On va passer un bon moment avec toi. Ouais, à vous moquer. Vous moquer de moi. Oui, je prends des cours de théâtre en ce moment. J'espère que ça se voit. Hein. En plus des cours de chant. Celui-là, je me suis tellement farci la dernière fois, là. Oh, merde. A priori, pas assez, hein. Hey, 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 hey. Et merde. Voilà, bon bah voilà, mon record du monde. Mon record du monde, il est parti. Nice.
Je crois que j'ai fait mieux. Coucou Captain Hum. Comment ça va petit lapin? Écoute, il va bien. Il va bien. Ça se passe... Change de point. Ça se passe bien, écoute, je suis à... je sais pas combien de temps je suis. Parce que j'ai fait un autre niveau avant. Mais là je suis en dessous d'une heure, j'ai fait plus de la moitié du jeu. Donc grosso merdo, ça va bien se passer quoi. A priori, il devrait pas y avoir trop de problèmes pour finir le jeu en moins de 2 heures. J'espère que tu vas bien aussi, Captain. Je me suis pas encore... j'ai pas encore fait ma description sur le... sur le Discord. Dun 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 dun. Ouais ouais, je vois ça ouais. Écoute, j'étais un peu pris là. Ah mais faudrait peut-être que je me bouge le cul. C'est lundi en fait, non? Attendez, c'est quand? Le mec. Ah oui, c'est le 7. Ah merde. Bon, je fais ça tout à l'heure. Vous étiez là, bah oui. Shit. Sorry. Non mais vas-y, fais ma description toi. Fais là ma description, voilà. Explique, je suis macroniste. La grève, c'est pour les feignasses qui veulent pas bosser, tout ça. En vrai, je te le dis ici, mais fais le truc que tu sais mieux faire. C'est vrai qu'on a besoin de JV. Une bière et JV ? Blop. Oh, j'ai vu une strat, parce que j'ai quand même regardé un speedrun. Hein. Le speedrun de quelqu'un qui a priori speedrun vraiment le jeu. Il y a une strat à la fin en fait pour aller plus vite. Je sais plus à quel endroit c'est. Bah c'est là en fait. C'est là. Dagadagadam. Je veux dire, c'est cool les discours militants, mais pouf, c'est chiant au bout d'un moment. Ah, mais en plus, tu peux faire du JV et chier sur Macron en même temps. Moi, j'y arrive. Moi, j'arrive. Voilà. C'est possible. Et je peux même mettre un supplément chier sur Twitch. Ça me coûte pas plus cher quoi. C'est ça, c'est le programme normal. C'est ça, c'est... En fait, j'ai pas besoin de... Pas besoin d'une chaîne en plus, hein. Ah, zut. Merde, oh bah non. Là, imagine, Captain, je vais sur la chaîne et je fais un discours full macroniste et tout. Imagine. En fait, je suis un... Comment on dit ? Un merde. Vous savez, les... Oh, je sais plus comment ça se dit. Les personnes qui jouent un double jeu là, mais genre les espions. Un rouge brun. Mais non, mais pas ça. Mais non, mais quand tu es agent secret. Je suis en train de... Est-ce que je suis vraiment en train de me comparer à un agent secret? Maybe. Un agent double. Je sais pas si vous l'avez écrit dans le chat,
J'ai pas vu le chat encore, mais un agent double. Ouh, je suis un agent double, un macroniste. Je me fais passer pour un sale gaucho. Mais en fait, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est la banque. Oh, le connard! Un agent double, merci Bibi, exactement. Et Captain Hume aussi, d'ailleurs. Nanana. Dagadagada. Hop là. Mais tu sais que les droitards aiment pas dire qu'ils sont de droite. Oui, c'est vrai. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est de droite, quelqu'un de droite qu'il est de droite, tout de suite, t'as la levée de bouclier en mode oh là là, quelle infamie, c'est pas vrai. Une fois, j'ai donné des sous à quelqu'un qui faisait la manche. On les connaît, hein, on les connaît. Il y en a même qui sont en mode oui, moi je suis de gauche à donf. Et puis qui passe Michel Sardou à leur anniversaire. Qui passe du Michel Sardou à leur mariage, quoi. On les connaît aussi, hein. Ça se dit de gauche. Ça se dit de gauche et puis ça passe du Sardou, quoi. Cela, je peux dire, je peux vous dire, cela, on est très déçus. Très, très, très déçus. Ok, bah super. Vous voyez, ça me trouble. Ça me trouble carrément, quoi. Des choses que je viens de faire là. Hop là. Je te saute sur ta petite tête, toi. Pas de gauche, l'ensemble de la gauche en France est validiste et je les emmerde. Ah ouais, mais la droite aussi, quoi. J'ai juste une armée de gauche papotisée, quoi. Ça a voté PS. Putain, PS. PS de gauche, hein? Quoi? Quoi? PS de gauche, ça saurait, hein. Mais tu les emmerdes pas plus? Tu les emmerdes pas plus, Bibi, un peu, quand même. Ding, ding, ding. Eh ben, nous voilà dans le dernier monde. Eh ouais. Eh ouais. 1h05 de jeu. Pour les mêmes raisons, on va dire. D'accord. Ah, finalement, 2h, ça va peut-être être court, hein. Non mais on est en casu, ça doit monter moins vite. J'imagine que la lave monte moins vite en casu. Histoire de pas faire trop peur. Voyez. Vous voyez. Voilà, je peux faire ça. Ouais. Down, 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 down.
Je suis con, j'avais complètement oublié que c'était ça. Mais c'est pas grave, parce que le jeu va me redonner de la vie soon. Ou le checkpoint. J'ai failli me faire défoncer ici, ça aurait été une la plus grosse connerie hein. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites? Ça me fait rire que c'est moi le plus extrême qui doit relativiser avec les normies pas politisées. J'en chie trop en ce moment, cette semaine je peux plus compter le nombre de gens qui ont abusé des places PMR ou autres équipements, plus douleur, plus. Ouais, soutine. Ouais, c'est chiant, il y a des semaines j'imagine que ça va être... Puis après, le... tout va ensemble en fait, t'as moins... Si t'as des douleurs, t'es moins patiente. Enfin, je dis pas qu'il faut être patient avec les connards qui te prennent les places, hein, mais vraiment pas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train de crever, hein, effectivement, ouais. Donc, tout mis bout à bout. Il y a les histoires... J'imagine que les histoires aussi avec ce qu'on est en train de demander au médecin généraliste, ça doit être bien gonflant aussi ça. Merci. Moi j'aime les riches qui payent leurs impôts, tu vois. Parce que les riches payent. Oui, bah oui. Plus le mot sur ma voiture parce que j'ai une fracture, j'ai le droit de me garer là, je suis en 10. Connard! Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. J'ai revu l'algologue, je vais retourner à l'hôpital, ça va se tasser. Ah là ouais, non, Captain Hume, ouais, moi je suis de l'autre côté, hein. Je suis de l'autre côté. Sur les médecins généralistes, hein, sur les demandes qu'ils ont, les demandes sont totalement justifiées. Hein. Les médias en font un max sur regardez quelle bande de cons ils veulent être payés plus quand tu vois c'est ça ouais, ils demandent surtout d'avoir une vie et pas traiter comme de la merde c'est assez hallucinant ce que le gouvernement est en train de pondre aux médecins généralistes hein. C'est, ils veulent bien leur filer une augmentation de 1,50€ par consultation, par contre derrière en fait faut qu'ils travaillent tout le temps en fait en gros. Et donc voilà, je pense que quand t'es médecin généraliste, bah t'as déjà pas beaucoup de vie de famille. Mais là, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est ils sont en train de vraiment de leur retirer leur vie de famille, quoi. C'est vraiment, vous allez être corvéable merci parce qu'on a fait un numerus clausus qui était vraiment trop bas pendant des années, histoire de bien niquer le système de santé. Bon, en fait, tu vois, Captain, en fait, ils font avec les médecins comme ils font avec la SNCF, comme ils font avec l'éducation. Avec tout. Ce qu'ils veulent, c'est... privatiser. Comme avec l'éducation, et comme avec la SNCF, et comme avec tout le reste, ce qu'ils veulent faire, c'est privatiser totalement... Enfin, avoir un système de santé américain, hein, donc privatiser la santé au maximum, et que les médecins qui ont encore une conscience puissent... gagnent que dalle, et s'épuisent au boulot, et pas de vie de famille. Et que ceux qui sont des bons gros chiens vont pouvoir faire des dépassements d'honoraires à donf. Faire payer les riches. Et vivre tranquillou quoi.
T'auras les pauvres qui pourront se payer le pauvre médecin qui est en burn-out mais qui continue. Et puis t'auras les riches qui pourront aller voir tranquillou les spécialistes hors de prix. Bon bah c'est... Dans la grande mouvance de ce qu'ils font depuis le début quoi. Avec d'autres trucs quoi. Je veux dire qu'ils augmentent la sécu. Les médecins sont quand même sous tension énorme depuis le Covid, de grosses charges de boulot assumées. Supprimer les mutuelles, avoir une prise en charge 100%, ouais c'est vrai hein. Ah mais les mutuelles... Les mutuelles qui se gavent ouais en plus là. Moi je le sais, mon généraliste a fait un burn-out. Mais oui, non mais c'est ce qui est normal quoi. Enfin, quand tu vois les... Et quand tu vois là ce qu'on leur demande... C'est... voilà, moi je... Je sors avec une médecin généraliste en ce moment. Du coup, en ce moment elle est vénère comme pas possible. Elle se bouffe la vie avec ça. Depuis de nombreuses semaines. Et vas-y les gardes, et vas-y... Enfin, les conditions... Pour avoir l'augmentation de 1,50€ là, c'est juste du foutage de gueule en fait. C'est vraiment le gouvernement leur crache à la gueule quoi, vraiment. Bah, comme à toutes les personnes qui sont dans le médical, hein, c'est pareil à l'hosto et tout, ils se font cracher à la gueule quoi. Je suis pour tout nationaliser la France. Non, pas moi. Pas moi parce que ça est tout nationalisé. Enfin si après que tout soit national, ok. Mais pas le système actuel, vous voyez, où on nationalise les pertes. Et par contre les profits sont bien privatisés quoi. Et moi si les pertes on pouvait les laisser privatiser, c'est cool quoi. Non alors, en vrai qu'il y a des boîtes privées. Pourquoi pas quoi. Et tout ce qui est sur les services publics, c'est non quoi. Le démantèlement d'EDF et compagnie, c'est une connerie quoi, mais... Et tout ce qui est accès à la flotte et compagnie, puis quand on voit... quand on voit des maintenant ministres qui coursent des tableaux par la sort, enfin voilà. On sait très bien que derrière, il y a de la corruption et compagnie, quoi. Alors que il y aurait pas avec du service public, quoi. Enfin, ou moins, il y aurait moins avec du service public. On peut pas totalement éliminer la corruption, mais... la corruption privée-publique, là... c'est quand même assez l'enfer, hein. Ok. La proposition du gouvernement ne font qu'aggraver les problèmes d'accès pour les patients. Bah oui, mais c'est ce qu'ils veulent. évidemment. Évidemment que ça va aggraver la situation pour les patients. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une santé à deux vitesses. Avoir exactement le système américain, quoi. Si tu peux te payer des soins, t'as des soins. Si tu peux pas t'en payer, t'as plus qu'à crever. Ah ouais. Je dis nationaliser ce qui a des profits. Les autoroutes, putain, les autoroutes, quoi. Les autoroutes. Vous vous rendez compte que... Alors, du coup, nous, on a payé, enfin, c'est avec les impôts, tout ça, on a payé les autoroutes pendant 50 ans. Le moment où ça devient profitable, les autoroutes, on rebalance ça au privé, quoi. C'est l'enfer. Plus de 20 ans que les MG préviennent qu'on a droit dans le mur, qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur en se boussant dans les oreilles, et maintenant on fait croire que c'est à cause des médecins généralistes que c'est le bordel. Mais non, mais c'est le principe, hein. Tu peux pas dire que tu vas faire une réforme sans avoir niqué un service avant, en fait. Le principe, c'est exactement ça. Tu niques quelque chose, après tu fais... On peut plus rien faire, il faut réformer. Il faut faire une grosse réforme, là, regardez. Et oui, mais ça fait 30 ans qu'on vous prévient que ça va être la merde. Ah, bah on n'avait pas vu. Oh, quel dommage.
comment ça la SNCF, on a investi dans rien et tout, les voies sont dégueulasses. Ah non mais je peux pas être dans la rue moi, je vais être sur un stream. Les startups, ouais, ça s'appelle des cliniques. Les startups d'hôpital s'appellent des cliniques. Le système de santé américain coûte plus cher à l'État en pourcentage. Ah oui, non, mais évidemment. Non, mais le privé, quand on nous dit on va tout balancer au privé parce que le privé, vu qu'il y a de la concurrence, ça fait baisser les coûts, c'est de la merde en fait. Parce que le problème du privé, c'est que une boîte privée, ce qu'elle veut faire, c'est du bénéfice. Alors qu'un service public, bah, il s'en fout de faire du bénéfice en fait. Un service public, il fonctionne, et tant que ça tourne, c'est ok. Donc évidemment que les services publics coûtent moins cher quand on ouvre à la concurrence. Dire on ouvre à la concurrence, donc du coup, en plus on sait très bien que la plupart des boîtes, ce qu'elles font, c'est que en douce, elles fixent les prix entre elles, quoi. Donc voilà, y a tellement de boîtes qui l'ont fait, on le sait que ça se passe comme ça derrière. C'est tout mignon devant, on dit ah là là, on fait jouer la concurrence et puis derrière ça fixe les tarifs entre eux quoi. Ça nique les petits et compagnie. Enfin bon, voilà. Heureusement, franchement, qu'on n'est pas dans un pays qui a filé la Légion d'honneur à Bezos parce que franchement là ça serait l'enfer. Pourquoi j'ai fait ça? Ensuite, faut que les droiteurs soient avec nous, parce qu'en France, on est un pays de droite. Du coup, les retraites, c'est le seul moyen de faire péter le faire péter Macron. Hop. Ah, j'en ai marre de me geler le cul avec les douleurs et la fatigue, alors que les crades d'Andy ne sont jamais abordés. Les ouvriers en ESAT qui n'ont pas le droit de grève. Vraiment, mon fils est en tournage. Lundi ? Camomille et faire une sieste. Non. Non, reste. Reste Bibi. Promis, on parle plus de Macron. Si tu restes Bibi, Patatart fait un striptease. No joke, hein. Non mais tu fais un striptease chez toi tout seul quoi. Je te dis pas de le filmer ou de le mettre sur Twitch, hein. Je te dis juste... Grave. Merde. Ah, faut. Ah, putain, faut. Faut dasher vers le bas. Faut dive kick. I have forgotten to dive kick. Oh, mais merde! Mais putain, mais. Concentre-toi 2 secondes, quoi. Merci.
En plus, si je laisse l'écran, les loulous vont pas bouger du canapé de la journée. D'accord, j'appelle mon porte George Lucas pour la mise en scène et je le fais pour filmer. C'est dur à écrire George Lucas. Ouais. Mais le ventre plat. C'est c'est un truc inventé par les gens qui font du Photoshop, ça. Hey, hey. Putain, je l'ai tellement fait l'autre jour, hein, Lucien. Ok, c'est parti. Super, je suis vraiment super bon. Le jeu vidéo, j'adore ça. Down. Youp, c'est bon, c'est passé. Trop fort. Hop là. Inventé. Mais ces gens qui ont jamais eu d'enfants, jamais eu de surpoids. Et qui? Qui? Puis même pas, hein. C'est même pas une question de surpoids en fait, parce que t'as des gens qui sont pas en surpoids et qui ont du bide. Enfin, c'est. C'est plutôt le la physionomie normale d'une personne, c'est d'avoir un peu de bidou en fait, hein, c'est de stocker. Hein. On est foutu comme ça, hein, je veux pas. C'est les gens qui ont pas de bidou du tout qui sont les exceptions, c'est pas. Mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a des fois je suis bien parti.
j'ai fait full caca d'un coup quoi. Hop là. Le train, on dirait moi le matin. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais le matin? La 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 la. Celui-là, faut que je temporise un peu de temps en temps. Faut pas que j'oublie. Don't oublie. Tout temporise Z. Or Zen. You die. Oh, mais qui est con! Je voulais dire. Ah là là! Pas de chance! Vraiment, c'est vraiment pas de bol, hein. Quelle stupéfaction. Connard. Oh. Ah merde, ça a passé. Loulou a dit ben oui. J'y crois que t'arrêteras si t'as de mal de toi quand même. Non mais être un connard, ça va, c'est ok. J'ai dit quoi? Vraiment, je fais de la merde dans un jeu et que je pense vraiment, sincèrement, à refaire une connerie. Je dis quoi? Oh, mais genre ça? Tu vois? Tu vois le genre de truc totalement inacceptable quand tu joues à des jeux vidéo, quoi. Je suis sûr qu'il y a personne qui est mort à cet endroit-là dans le jeu. Je suis sûr que si je demande aux devs, ils vont me dire ah non, non, bah non, ici. Y'a jamais personne. Non, c'était pas censé être un piège ici, hein. Mais, bah ouais, mais moi j'ai mouru. Non, bah, pas de bol. Ouais, pas de bol. Hop là. Dagadagada. En plus, ça a pas de sens d'être un connard quand on rate un jeu. Tu dis fiche, je trouve sapristi, ça perd les popettes, sapristi saucisse. Pas le sang bleu. Peut-être que j'ai le sang bleu, moi. Oh rage, oh désespoir, oh quoi d'autonomie. Mais n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et bah voilà. Ah, on est d'accord. On est d'accord. C'est le boss. 1h30. Je vais avoir le temps de répondre, d'aller mettre des trucs dans le Discord. J'utilise uniquement les gros mots, susdi, suski. En 15 minutes. D'accord, je vais... Alors pas de gros mots, hein, c'est possible. Hein. Moi je... Je dis pas les gros mots, hein! Qu'est-ce qui se... Elle a volé?
Genre à la volée. À la volée, l'orange de Guy Marchand. Merde, mais alors... diantre, fichtre, bleu. Tu n'as pas le sang bleu. Je regardais le chat alors que j'aurais dû jouer au jeu vidéo. Évidemment, je me suis fourvoyé. Oui. Fourvoyé, c'est bien, non? Hop, allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens là. Viens que je te tape. Ah oui, je me rappelle plus ça. C'est pas grave. Kamehameha. Le jeu il rame comme ça là. T'en touche pas ça, touche pas ça toi. Boum. Parcours express. Pouh. J'ai eu le succès. Ouais, je faisais les 2h max, ouais. Et du coup j'ai tous les succès là sur le jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, tout le monde est content. Tout le monde est content. J'ai tous les succès. Bon, ça on l'a vu, mais du coup, on a... là c'est la mauvaise fin. C'est la mauvaise fin parce que j'ai pas récupéré tout, donc on pourra pas ressusciter le frérot. Le frérot va rester comme ça du coup. Merci frérot. Ça nous a bien aidé quand même. Bon, on l'a déjà vu, Désolé. Down, 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 daga, daga, down. On va regarder combien de temps on a mis. Là, les musiques, elles sont cool les musiques. C'est pour ça qu'on va pas la laisser. Non, mais le jeu est cool. Vraiment, jouez-y. Hein. C'est un de mes gros coups de cœur. De ces derniers mois. Vraiment le 1h22. Pas mal. J'ai fini à quand même pas mal d'avance. Jouez-y si vous avez l'occasion. Bisous YouTube, à la prochaine. Et tout de suite, le prochain jeu.